Nous sommes le mercredi 17 août et il est actuellement 21h53 et nous préparons le bateau pour partir pour La Rochelle. Et quand partons-nous? Demain matin, parce que là il est un peu... Demain matin. À 9h30. À quelle heure? 9h30. Tout à fait. Et pourquoi 9h30? Parce qu'on sera réveillés. Déjà, c'est un bon point. Parce que la marée est haute. Enfin, juste et après, elle a fougé, voilà. Quoi. Voilà, elle va descendre et du coup, on aura les courants favorables pour partir dans la passe. Exactement. Et sortir de l'estuaire de la Gironde. Oui. Voilà. Salut. On va commencer par préparer le petit déj. Ça va être compliqué parce que je sais pas faire, mais on va essayer. J'accroche. Alors, on a dit lait dans le petit pot de lait. On va vous faire chauffer. Si ça dépend, je fais quoi? Salut papa. Il ne le verra pas tout de suite, il est en train de prendre sa douche. C'est vrai aussi. Je prends des initiatives. Je sais pas combien j'en ai. Je vais dire que ça sera bon. Donc ensuite. Je vais pas me filmer ça parce que sinon mon père va dire « Non mais tu mets trop de chocolat au lait J'ai pas failli faire quand on met la caméra. C'est juste parce que c'était compliqué. Au revoir. On se retrouve quand on va faire démarrer le bateau. Et mon père ne le saura pas. Nous sommes le jeudi 18 août. Il est actuellement 10h15. Nous sommes partis à 10h. L'arrivée prévue est à 20h. Il y a 10h de À peu près, ouais. Non, mais c'est donc pas le temps est un peu gris, mais ça devrait s'améliorer. Et le vent, on devrait avoir entre 7 et 12 nœuds de vent. Donc voilà. Ça devrait bien se passer. Le soir, par contre, le vent forcit. Et ce sera une arrivée un peu sportive à La Rochelle. Donc on va voir si on va à La Rochelle ou si on va à un mouillage. À l'île d'Aix. À l'île d'Aix. Tous les célibataires, ça? De quoi, l'île d'Aix? Hein? Je suis fière de ma blague pour rigoler plus ou pas. T'as rien compris. Vas-y. Alors après une grande réflexion de la part de papa. Oui, parce qu'on n'a pas trop réfléchi. Nous passons par la passe sud. Parce que ça peut nous faire gagner du temps. Parce qu'il y a des remous, c'est très bien. Ah non, c'est pas parce qu'il y a des remous. Bah pour moi c'est parce qu'il y a des remous, pour toi c'est pour aller plus vite. Le courant est direct avec nous là. Donc c'est pas mal. Moi, c'est le vent est bien orienté. Regarde, il y a des remous, c'est trop bien les remous. Alors ça, c'est mon équipage de choc pour aller à La Rochelle. Il est 11h30, ça roupille déjà. Les conditions sont bonnes. Bon, eh bien, on passe la dernière bouée bâbord du chenal de Grave, de la passe sud. Bon, on passe à droite de la bouée bâbord parce que bon. C'est marée haute, les fonds sont assez importants, il n'y a pas de problème. Comme nous, après, on va bifurquer vers le nord. On optimise un peu. Donc, elle est là. Voilà. Eh bien, on arrive à la bouée Seine de la passe sud. Je l'avais encore jamais vue, celle-là. C'est pas mal parce qu'il est midi et demi passé, midi 35, et on est parti à 10h, donc 2h30 avec le courant pour arriver vraiment à la bouée Seine et celle qui marque l'entrée du chenal, et bien c'est pas mal. Alors maintenant nous il va falloir qu'on prenne un cap au 350, un peu plus loin, on va encore courir un peu. Prendre un cap au 350, le vent venant du 300, ça devrait le faire.
pour faire un seul bord et arriver à la pointe de Chassiron, le bout nord de l'île d'Oléron. Voilà. Ouais, ça pulse bien là, 5 nœuds, 5, 6 nœuds. Il y a une petite houle, 1m20. Et 1m20, ça donne ça quand même. Hein. Un peu plus confortable par rapport aux vagues. D'accord. Ok. Waouh, il est pas mal. On a combien de vent là? Il y a 14 ans. Ah oui, là c'est du mauvais côté, ça y est. Est-ce qu'on peut échanger? En fait, de suite. Dommage. Tu fais ces petites accroches là. Allez, on va faire à manger. Bienvenue sur ce vidéo de vidéo de la vidéo de la vidéo de la vidéo. Diffusion du bulletin météo. On en prend deux pour trois, ça ira, non? Ouais, ça ira. Séverine, tu veux des tomates aussi? Parce que ça va être trop petit, hein, je te mets ça dans deux trucs différents. Je prends des tomates aussi. Ok. Oh, pardon, ma chérie. Excuse-moi. Donc, ce qu'on va faire, je vais te sortir les. On va manger à la petite cuillère. Hein. Non, à la grosse. Ça va passer à une petite cuillère. Non, à la grande cuillère. Je coupe tout avec. Là, il y a un tout petit crème. Et après, on fait les petits bols directs. Attention. On a perdu la vitesse. Oh.
D'accord, on va surveiller Séverine. Hop là. Et après, on fera l'assaisonnement. Donc je te laisse poser parce que sinon après c'est des voilà. Tiens-moi ça. Bon? Bah oui. Moi je suis de ce genre-là? Bien sûr. C'est pas bon genre ça. Ah si. À limiter la consommation d'eau dans un bateau. Ah bah pas que dans un bateau hein. C'est une bonne habitude à prendre. N'est-ce pas? Mais après il y a le minimum vital. Oui. Le minimum vital il est bas. Hein. Ouais mais ça tu l'as bien compris. Ah bah oui, c'est toi qui t'as du mal. Bah ouais. Voilà. Je range tout parce que comme ça, si ça tourne dans la vaisselle propre, bah ça ne sale pas. Et bien. Hop. Voilà, et puis comme ça tu peux partager. Là, si tu as besoin d'une feuille de sopalin, pour essayer plutôt. Voilà. Yeah. Vas-y. Alors, coupez en trois. Non, mais tu fais des bouts. Ah oh, non, j'aime pas la coupe. Ah bon? Ouais, moi je préfère quand tu coupes dans l'assiette. Non, mais là, faut la couper pour tout le monde. Parce que après, on oui. Pourra pas la couper. Donc, ah. Je comprends pas ce que tu aimes pas faire. Pas de sel, c'est vrai ou je t'en mets? Ok. Oh là. Finalement, on arrivera après 21h. Voilà. Hop. Hop. Terminé la petite unité. Tiens, tu te mets là-haut, je te passe les assiettes, ça va, c'est pour Séverine. Après, c'est la tienne. Faut les caler entre vos jambes. Ou alors sur la table du milieu, mais il faut pas mettre la table, sinon ça va glisser. Bon. Les petites tomates que j'ai achetées. Ouais. Elles ont l'air grosses là par rapport à la. Ah bon? Ouais. Bah, je vais écarter un peu pour prendre de la vitesse. Puis on fera un petit virement de bord. C'est un peu sport. Ouais. C'est un peu sport. Bon, il y a 20 nœuds de vent, la mer est un peu hachée. Bon, on a risé les voiles, donc il y a quasiment deux ris dans le génois, un ris dans la GV. On avance à 5 nœuds, 5 nœuds 5. Mais on est quand même pas mal penché. Bon, on est au près. Hein. Très serré. Donc le pont est rincé à l'eau de mer, ça c'est clair. Le truc c'est que on va pas arriver à La Rochelle avant 22h30, quelque chose comme ça. Mais ça se calme après. Heureusement. Quand t'as
Alors les filles, bah alors, cette traversée, ce sport, et nous sommes d'arriver. On fait les cuisses, ouais, et les mollets. Ça va, légèrement t'as... les abdos. T'as pas froid aux pieds, c'est vrai? Non, ça va. Ok. Et vous, ça ne sent plus rien. J'ai été congelée, donc je le crois. Ah, je crois que le tout, c'est artificiel. Ah ouais. Le couteau? Il y avait un couteau là avant, non? Oui, il y a plus. Ah, ça va! La mer va se calmer à 21h. Mais c'est beau quand même, hein? Ouais, c'est beau. Il y a de la fin, non? Heureusement qu'on a du beau temps, hein? La mer, c'est pas bien. On se croirait pas mi-août, quoi. Il nous reste à peu près 15 000 avant la pointe de Chassiron, donc ça veut dire 3 heures. 3 heures? À peu près, ouais. Un peu moins. C'est pas dans 3 heures qu'on est arrivé, quoi. Ah non. Ah oui, là. À 21h, la mer c'est calme, et à 21h, on n'est pas arrivé. Ah oui, tout à fait. C'est arrivé vers quelle heure environ? 3 heures, 22h? 22h30, 23h, je pense. D'accord. J'espère. Peut-être après, plus tard. Après, l'arrivée, c'est plus à 22h. Il y a un problème dans les calculs. Ouais. Mais c'est d'avoir pris la face sud là, je pense que ça nous a vachement retardé en fait. C'était vraiment pas le plus judicieux. Erreur de nade. Ah oui, c'est ça. On arrive. Bien plus tard que prévu. Je pense qu'on va arriver à La Rochelle sur les alentours de minuit. C'est vraiment hyper pénible. Je n'avais pas du tout envie d'arriver à la nuit. La mer est déchaînée, donc il s'est mis un appui moteur, un bout de génois, toujours un riz dans la gelée. On avance 4, 5 et 5 nœuds, mais on fait le cap pour passer la pointe de Chassiron. On devrait atteindre là le temps. Après, on va pouvoir se mettre un peu plus au portant. Je crois que le temps va se calmer. Ça va aller beaucoup mieux. On va garder du moteur pour essayer d'arriver le moins tard possible avec les voiles au portant. Parce que déjà, il va faire nuit. Ça va pas être drôle. Voilà. Bon, ça y est, on est dans le Pertuis d'Antioche, là, dans le chenal d'arrivée de La Rochelle. Il est 10h25. Donc on va arriver pour minuit, je pense, vraiment. Tu veux que je te prenne ta lampe et que je te prenne pareil. Voilà. Donc je sais pas si ça va se voir, je pense que oui. Voilà, il nous reste 8,5 nautique. Enfin 1000, et on est à 6, 6. Hein. Entre les voiles au portant, beaucoup plus confortable. Et l'appui moteur pour être sûr d'arriver pour minuit, parce qu'après ça reste compliqué avec les marées. Voilà. Zoé, un petit mot peut-être? T'en as un peu marre? Non, en fait j'en ai un peu marre, mais je suis pas fatiguée parce que je viens de dormir 3 heures. Et du coup je sais pas quand est-ce que je vais dormir. Ouais, c'est pas tout de suite. Hein. Voilà. Bah, minuit, le temps qu'on arrive et tout, puis après on mange un bout. Oh ouais, non, et après, on se couche. On met nos affaires à sécher.